Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous entendez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. On s'est rencontrés lorsque j'avais une émission sur M6 qui s'appelait Une journée avec et que je t'ai suivi pendant une journée de... Justement, peut-être que tu étais dans un... C'était dans le nord de la France, je me rappelle. Oui, tu faisais des concerts et voilà. Et puis après, on s'est revus. Puis après, on s'est revus. Régulièrement. Voilà, pendant longtemps. Voilà. Comme dans le tourbillon de la vie. Chaque fois qu'un policeman se fait buter. Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Alors l'idée, c'est parce qu'on a repris du Serge Gainsbourg. Et pour ce qui est Gainsbourg, pour nous, bah, toi, tu peux raconter ce qu'il est pour toi. Ouais. Parce que bah, pour moi, c'est un grand écrivain. Et pour toi ? Pour moi, c'était un bel auteur de chansons pour les filles. Ah, c'est vrai ! J'aimais bien comme il écrivait pour les filles. De toute façon, on ne pouvait pas s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Qu'on s'en marre de la roue et Bonnie Parker. Ça va, Claude? Ouais, ouais, j'aime beaucoup le mash-up de ces choses. Tu l'as répété combien de fois, Bonnie and Clyde, à la fin? Moi, je l'avais pas sur la... Bah, moi, j'ai fait comme il y avait marqué. Il est marqué trois fois. Mais en fait, il y en a quatre. Il est marqué trois. Là, j'en ai fait quatre. Ça va? Ouais, c'est bien. Tu en veux trois ou tu en veux quatre? Trois. Trois. Histoire deux. Ok. 3. Okay. Divisé par 2, ça fait 1,5. Ok. Après, c'est rien. Tu divises encore par 2. L'Accor Arena, ce que ça représente pour moi, je me rappelle que quand j'étais petit, il y a eu la construction d'un endroit à quelques stations de métro et de train de chez moi. Je me suis dit qu'un jour, je viendrai voir des concerts. Je suis venu en voir quelques-uns et j'ai eu cette chance extraordinaire parce que c'est un lieu mythique. C'était à un moment donné, on voulait pousser la culture dans un pays. Et ça a été ouvert un peu partout, mais ici, c'était l'axe, la grande salle. Et j'ai eu la chance de la faire et c'était un moment extraordinaire. Le Nouveau Western. Le Nouveau Western.